aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est unboxing unboxing avec la boutique color Full DIY et Fifi attends maman récupère juste son carnet et puis comme ça tu pourras rester là voilà alors euh, j'ai eu beaucoup de mal à avoir cette euh, ce colis je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, euh, mais ça a mis très très longtemps. Euh, ils m'avaient même entre deux envoyé un, un message pour savoir si j'avais reçu le colis, euh, mais je ne l'avais pas reçu. Euh, donc je pense que le colis a dû se perdre. Et euh, il y a quelques jours, ils m'ont renvoyé un message. Euh, le colis part aujourd'hui ou est parti hier, je ne sais plus exactement. Sans plus d'explications, mais bon, c'est pas grave. Euh, le principal c'est que ce soit ce soit arrivé. Euh, alors, je ne vais pas pouvoir vous faire du face bureau aujourd'hui. Je suis désolée quand je me mets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai euh un faisceau lumineux qui passe. Euh, je vais essayer de vous le montrer au mieux, mais de toute façon, je vais vous mettre des photos comme d'habitude euh, pour que vous voyez mieux le détail. Non, 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 non. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, euh, il va y avoir deux kits de broderie. Et il va y avoir un euh, comment Un DP. Voilà. On va commencer par le DP. Si mademoiselle Fifi veut me laisser faire. Hop Bouge pas, ça va aller. T'inquiète. Alors, ben je vais vous montrer l'image tout de suite. Voilà. Hop. Bon, Fifi, ça va vraiment pas le faire. Petit tout comme d'habitude, euh, avec le stylet, le petit plateau, la petite glu. On va avoir un dp euh, 30-40, donc voilà <coughs> en perles rondes. Euh... Avec 18 couleurs. Alors, le voici. Captain America. Je crois que c'est ça. <laughs> voilà, Captain America. Alors, en... En mode vitrail. Voilà. Euh, oui. Voilà, voilà. Alors, il est... Il a très sympa. Oui, je pense que ça, ça va le faire. Alors, niveau col, ça va, et niveau impression, bon, je sais pas si vous verrez beaucoup, mais euh, faites-moi confiance. Niveau impression, ça va très bien. On va avoir euh, des perles en sachet zippé. Voilà. Alors, quand même, que j'essaye de vous mettre en face bureau. Ouais, je vais quand même vous mettre en face bureau. Désolée, hein. voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vous remontre le dessin. Voilà, alors. Je pense que je peux vous les ah bah oui je peux vous les montrer comme ça Alors, voilà <laughs> voilà les couleurs donc il va y avoir du bleu hein, et du rouge ce sont les couleurs de Captain America voilà, alors je pense que tout est passé en couleur, je vérifie quand même, mais oui. Ah, il aurait... Non, celle-là vous l'avez vu, mais elle est là. Voilà. Donc là, les... c'est marqué... Il y a des petites étiquettes comme ça sur les sachets, avec le numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Euh... Ça, ça doit être la référence couleur. Et les chiffres en bas, je sais pas. Mais bon. Voilà. Alors le DP, il est à il est à il est à 4 dollars 99. Alors, kit de broderie. Alors, on va avoir une petite feuille explicative hein, comme d'habitude. On va voir un petit toolkit avec le dauphin. Voilà. Les fils. Alors, ce n'est pas la, la meilleure façon. Hein. Est, on n'est pas beaucoup à aimer cette façon-là. Et ici, alors, le patron. Toujours, euh, voilà ma main. Hein. Euh, poum, poum, poum. toujours trop petit le patron. Alors, c'est un, une broderie qui fait 170 sur 170 points. Euh, c'est une 30 cm sur 30 et c'est une 18CT. Voilà. Bon, de toute façon, là, j'arriverai, je pense. Ah, oh, peut-être, voilà, un petit peu, mais de toute façon, je vais vous remettre le dessin, enfin la photo. Et il y a 30 couleurs. Alors, c'est petit. J'aurais cru que c'était plus grand, tiens. Voilà. Euh, ouais, on, ça, on voit que ça gnome un peu. Bon, il y a du confetti. Là, confetti, confetti, ici, tout autour. Il y a le, le fond qui va se broder, si vous le souhaitez, avec la couleur euh, 38-65. Hein, donc, c'est un blanc cassé. Euh, quoi dire de plus ben, Niveau impression. Bon, niveau impression, ça a l'air d'aller, hein, mais bon. Euh, si je, je, on voit son nez ici, là la fleur, une deuxième fleur ici. Alors là, il y a le cœur. Mmh, oui. Donc voilà. Donc euh, elle est pas trop grande. Mais bon, c'est du 18 CT. Alors, niveau des couleurs, euh, il va y avoir des belles couleurs. Mais alors, euh, attendez. pour le bruit. Ah. Alors c'est euh, rangé comme ça par cartonnette individuelle. Euh, c'est pas tip top ça, hein, mais alors attendez, je secoue, je voudrais essayer de vous montrer au mieux les couleurs. Là il y a du joli rose, du, un joli gris argenté, du bordeaux. Du rouge, donc le blanc cassé, le voici. Du bleu marine, du violet plus foncé, du rouille un petit peu, des, des gris plus, un peu plus foncé ou plus clair, du noir, voilà, du rose, du vieux rose, du beige rosé. Bon, les couleurs sont très jolies, les fils sont très beaux. Hein mais c'est vrai que c'est euh, de cette façon là c'est pas tip top je trouve voilà alors celui ci le gnome fleur et coeur 18 ct en estampé 30 cm sur 30 est au prix de euh, excusez moi 7,99 dollars j'arrive même plus à me relire <laughs> Allez, je vous montre le troisième article et dernier article qui est une broderie. Voilà, dernier article, donc c'est une broderie. Alors, petit toolkit. kit avec le pompon, les cinq aiguilles. Voilà, l'enfil aiguille. Comme d'habitude, la fiche explicative. Alors ici, ça va être un 11CT. Et c'est un, une petite chouette ou un petit hibou, voilà, avec des cœurs. Alors, on va voir ce que, Alors, là, je vous ai dit, c'est du 11 CT. Hein. Oh là 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 là. Oui, c'est fort noir. C'est vrai que tout le fond est fait en noir. Hein. Donc, là, du noir, du noir, vous allez en avoir, vous hein, voyez. Tout est en noir. Euh, c'est imprimé euh, un petit peu clair à mon goût. Mais... Euh... Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Alors déjà, la taille, c'est un 40-40 cm. 35 couleurs. Avec la couleur principale, ça va être le noir. Euh, les autres couleurs, ça va être du rose, euh, différents roses. Euh, voilà. Bon, niveau impression, euh, ça a l'air d'aller quand même. Hein, voyez. Voilà. Et je vous montre les couleurs. Alors du coup, du noir, hein, il y en a. Hop. Alors on a trois, euh, trois échevaux de noir. Voilà. Donc ça, normalement, vous devez en avoir largement assez. Alors, je secoue, je secoue, je secoue. Hop, excusez-moi. Et je vous montre les... Là, ça va mieux hein, le... sur les tablettes comme ça pour vous montrer les couleurs. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de roses, mais bon. Voilà, donc je vous aurais remis l'image hein, pour que vous voyez mieux le dessin. Euh, bon, niveau couleur, il euh, n'y a pas grand chose, enfin si, il y, y a de quoi broder quand même, mais je veux dire, euh, euh, ça devrait... Euh, être euh... oh je cherche mes mots aujourd'hui c'est une catastrophe <laughs> ça devrait aller au niveau des, des couleurs voilà après bon vous aurez quand même beaucoup de noir à broder voilà alors ce kit petit... oh, je sais plus si je vous ai montré le patron papier je ne crois pas je sais plus voilà Bon, il est aussi grand que la presque aussi grand que la, la toile, voyez. Euh, oh je vous ai oh, pas dézoomé, excusez-moi. Oui, voyez, il est presque aussi grand que la toile, donc ça va. Euh, très bien imprimé. Euh, donc pas de souci. Voilà. Alors, ce kit, il est au prix. Hum. Alors, c'est un on estampé 40 sur 40 cm au prix de 8,99$. Voilà. Bah, écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Colorful DIY. Euh, euh, toujours contente de présenter des articles de chez eux. Bon, cette fois-ci, je vous dis, ça a mis euh, plus longtemps que d'habitude, mais bon. Certainement petit euh, qui a eu un souci le pendant le voyage euh, c'est pas très grave euh, moi en attendant je vais vous faire plein de gros bisous vous retrouverez comme d'habitude les liens des articles que je vous ai présentés en barre d'infos et en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt! Bisous, bisous!